Bienvenue en ce mercredi où nous n'allons pas faire une vidéo review comme d'habitude, mais bien un petit tour d'horizon de 5 idées de cadeaux que vous pourriez faire à celles et ceux de votre entourage ou même à vous-même <laughs> qui sont dans le délire et dans le plaisir de produire de la musique. Et on commence tout de suite les microphones. Dans la série des micros qu'on peut offrir pour Noël, je vous propose... Quelques petites sélections, notamment en premier lieu les 8 LCT 240 Pro. Je vous montre ça sur Toman, mais vous pouvez aller chercher ailleurs si vous voulez, dépendamment d'où vous habitez aussi, hein. euh, avec le, les magasins de musique de votre coin, etc., etc. Moi, typiquement, étant à Montréal, ça va beaucoup plus être chez Moog, Steve Music, euh, Long Macquaid ou des choses comme ça. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par personne c'est juste moi qui présente des trucs que, que voilà c'est cool, puis ça pourrait être vraiment nice euh, si jamais vous voulez soutenir quelqu'un, en particulier ceux qui démarrent dans la production audio, qui veulent se lancer par exemple à faire euh, de l'enregistrement chez eux ou des choses comme ça. Avec les 8 LCT 240 Pro, 111 euros, ça coûte à peine 10 euros de plus. Un autre micro que je vais vous présenter qui est un micro ultra reconnu. Et là, ici, on a un super micro cardioïde condensateur donc, qui capture ultra bien, ultra précis, avec un côté ultra brillant. Euh, une plage dynamique ultra élevée, ce qui veut dire que le noise est très très bas, il y a très peu de... Euh, c'est pas un micro qui va colorer tant que ça, il n'y a pas beaucoup de low-mid, mais c'est vraiment la clarté, la pureté, c'est quelque chose de très neutre, très propre, euh, qui est vraiment très cool à utiliser. Fait que, vraiment une option assez sympathique comme premier micro. Euh, pour de l'enregistrement studio, c'est absolument génial. Et en plus de ça, bah, le Pro BK Bundle, il vient avec non seulement le micro, mais aussi son shock mount, donc l'attache qui est vraiment bonne. Et ça vient aussi avec donc, la petite housse, le pop. Euh, c'est assez euh, complet, assez versatile. Puis un micro qui peut être utilisé pour tout, à la fois pour. Euh, euh, des enregistrements de, de, de voix, que de guitare, que de... C'est vraiment assez, euh, assez sympa. Vous avez aussi des versions avec un stand, puis un pop filter à part. Vous avez quelques petites euh, variantes comme ça qui sont disponibles. Et euh, bah, vous voyez, euh, quand vous regardez euh, dans les, les produits qui sont présentés la plupart du temps, vous avez aussi la version en blanc. Euh, fait dépendamment du style que vous voulez avoir. Un de ses concurrents directs, ça va être le AT2020, qui est très connu. Puis à mon humble avis, le, les 8 est vraiment au-dessus en termes de qualité, de propreté, de versatilité. Donc voilà, assez cool à utiliser. Le bon vieux, les 8 LCT240 Pro. Toujours dans la catégorie euh, microphone, parce qu'on a cinq catégories, hein, euh, mais pour les micros, hein, le Rode NT1A, de préférence, la toute dernière édition qui va être dans le même style que le fameux Les 8 Lui, c'est un micro que vous allez revoir chez énormément de rappeurs, notamment les rappeurs low budget. C'est un, un, un micro. En fait, ça, ça fait partie des micros les plus répandus dans ceux qui démarrent en audio. Fait qu'il y a une valeur sûre, ça marche super bien. Euh, un très très bon, euh, très très bonne capsule. Euh, encore une fois, quelque chose d'assez neutre, d'assez euh, droit en termes de son. Là. Euh, avec beaucoup de brillance, par contre. Fait il y a un côté vraiment très, très brillant qui peut être assez sympathique. Du côté... Euh, voilà. Ensuite, une autre valeur sûre, mais là, cette fois-ci, ça, c'est le tank. Voyez ça comme un... Euh, Je sais pas si... Es, il, il est pas tant rabé. Il n'y a pas vraiment un, un, un gros rabais dessus ou quoi. Mais... C'est une dinguerie dans tous les cas. C'est un micro qui est increvable. On peut tout enregistrer avec euh, de la voix, des percussions, des, 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 des guitares, des guitares électriques, des, tout ce que tu veux. En vrai, c'est le best mic, ultra versatile, dynamique. Euh, si jamais les personnes à qui vous offrez ça, ils n'ont pas un studio avec traitement acoustique et tout, bah c'est peut-être cool parce que il bah, y a beaucoup de réjections, ça rejette beaucoup les bruits ambiants et tout fait que ça peut être une très très bonne option là d'aller avec le kit complet m'excuse oh oh mais excuse pour le bâillement euh, de chez choix qui est assez sympa et dernière option là on augmente un petit peu en termes de prix euh, on pousse un petit peu plus loin le grand frère du 240 fait que c'est le 440 et là on a vraiment une capsule de feu qui sonne super bien. Et la version Vida, je vous la propose comme cadeau, juste parce que ce petit verre-là, il est absolument fantastique. Il est magnifique. Vous avez vraiment comme une plage dynamique encore plus élevée. Euh, une sonorité très particulière sur ce micro-là qui est vraiment nice. Et dans toute cette série de cadeaux là de micros, si jamais vous voulez les essayer ou plutôt écouter à quoi ça ressemble, eh ben vous pouvez aller sur Audio Test Kitchen puis hop vous pouvez aller directement comparer ces micros là Full Song et là vous pouvez chercher dans toute une panoplie de micros et faire une comparaison, par exemple, les 8240, 240, euh, RODE NT1A, etc. etc. Fait que, allez sur Audio Test Kitchen, écoutez, faites les, les, les choses pour ça, ça peut être très très cool. Deuxième catégorie maintenant, les interfaces audio. Bah, forcément, si les gens démarrent en production, on peut aller leur offrir une interface pour que ça puisse les aider à bien démarrer euh, dans euh, ce. Euh, ce nouveau, euh, ce nouvel univers qui est la production audio première chose que je vous propose la bonne vieille Focusrite Scarlett Solo ou alors la Duo comme vous voulez euh, Focusrite ultra connu, le choix principal hein, des, des, des plus... Euh d'entrée de gamme, on va dire, de, du démarrage, du starting point quand on fait de l'audio. Souvent, on va commencer avec une Focusrite. La dernière mouture est assez cool avec des options assez sympas, notamment le R ici qui va rajouter un peu de saturation dans les, dans les High qui sont assez cool. Puis vous avez deux inputs, vous avez l'entrée de guitare et l'entrée micro en arrière. Euh, qui va vous permettre bah, tout simplement de pouvoir enregistrer soit un instrument, un clavier, quelque chose de direct dedans, ou alors un micro pour vos voix. Très simple à utiliser, 129, ça vient avec un paquet de petits, euh, petits bonus de chez IK Multimédia, qui peuvent être sympas. Et vous avez aussi des plugins de chez SoftTube, Land Air, XLN Audio. Euh, notamment avec le Addictive Key, fait que ça vient avec des instruments virtuels. Euh, Autorus, euh, Antares Autotune Access fait que vous avez un Autotune qui vient gratuitement avec. Vous avez euh, euh, différents plugins de la série bah, Focusrite, euh, puis aussi de chez Brainworks. Vous avez massif de Native Instruments. Bref, différents petits bonus comme ça, fait que c'est un bon combo ça pour starter. Assez sympa. Si on augmente un petit peu en termes de prix, euh, et avec des bonus différents, puis une qualité qui est aussi vraiment, vraiment, très, très cool pour démarrer. Vous avez la Complete Audio 6. Complete Audio avec deux entrées XLR, puis les sorties euh, classiques, on va dire. Euh, et vous pouvez aussi avoir les deux, deux sorties casques, ce qui peut être assez cool. Voilà. Avec ça, ici, ça vous offre pas mal d'options. Aussi du MIDI, si jamais la personne a un clavier MIDI ou des choses comme ça. Et aussi, ce qui est assez cool, c'est que ça vient avec des rabais, des deals. Euh... Vous recevez gratuitement Native Instrument Complete Select qui vaut plus cher que... <laughs> La, la valeur de ça, c'est 149. La valeur de complete select sans rabais, c'est 200. Fait que vous gagnez complete select, c'est incroyable, c'est fantastique. C'est vraiment très très bon. Avec euh, un bon gros bundle qui vient avec euh, des logiciels aussi, euh, ça peut être vraiment très très couille. Très très. <laughs> Oula! Oula! <laughs> Oula lapsus! Attention! Très très cool! Cool! Sympathique! <rire> <rire> Oups! Avec niveau 2, entre guillemets. Et ensuite, bah, niveau 3, et ça, c'est vraiment le best en termes de qualité de préamp. Les préamps, là, sont absolument fantastiques. Le output et tout sont, sont corrects. Le, 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 les headphones out sont pas dingues, mais le reste est quand même vraiment bon. Euh, et là, bah, vous avez quelque chose de très, très, très sympa. À pouvoir offrir, fait que la audiante ID14 qui vient aussi avec son lot de bonus, euh, notamment quand vous achetez une interface Audient, ça vient avec les systèmes ARC de chez Audient, normalement, si je ne m'abuse. Avec ça, au niveau des interfaces audio, et ben pour faire suite aux interfaces audio, un bon casque, c'est quand même quelque chose de très important, et en ce moment, il ben, y a des petits rabais, sur euh, notamment les DT770 Pro, les 80 ohms, ça c'est le... Euh, headphones de studio parfait pour débuter, c'est bon pour le mix, c'est bon pour l'enregistrement, c'est bon pour tout. Ça sonne bien, c'est cool. Il y a de la bass, il y a des highs, c'est assez précis. C'est très très cool d'apprendre à, à mixer avec ça, c'est très bon. Vous allez avoir dans la même famille, dans le même prix, les DT 990, mais ça, si la personne veut faire de l'enregistrement on des conseils, parce que c'est des ouverts, fait que le, le son se bleed à travers le casque, mais ça, c'est quand même assez cool. Et voilà. Fait que ça, c'était nos deux premières, nos trois premières catégories. Voilà. Quatrième catégorie un bon vieux livre. Et dans le bon vieux livre que je vais vous proposer comme cadeau à faire, eh ben, je vous propose d'offrir ceci Home Studio Recording The Complete Guide. Alors, je vous montre la page euh, Amazon, mais ce petit livre. Écrit par Warren Ewart et Jerry Hamack, comprend, entre guillemets, tout ce qu'il faut pour comprendre c'est quoi le métier de producer, de home studio, euh, c'est quoi les différents aspects. Il y a un côté très historique, il y a un côté euh, purement technique, mais surtout, il y a un côté philosophie de travail qui est fantastique. Comment approcher l'art musical l'art de la production audio peu importe ce que vous allez faire que ce soit du beat euh, du chant du mixage du mastering etc etc il y a vraiment des pépites là dedans euh, même si vous travaillez déjà dans le domaine ça peut être intéressant de l'avoir juste parce que en vrai en termes de philosophie d'approche de travail c'est vraiment fantastique fait que ça best cadeau euh, si la personne aime lire et qu'elle se lance dans le studio ou qu'elle a déjà un studio et que vous voulez lui offrir quelque chose de solide en termes de lecture, c'est vraiment cool. Avec ça, quatrième cadeau qui est fantastique. Et enfin, notamment les options gratuites. Alors, euh, euh, c'est un cadeau étrange là parce que c'est gratuit, mais euh, peut-être vous pouvez dire aux gens et hey, euh, as-tu vu, il y a des trucs gratuits, notamment Arturia qui vient de release un tout nouvel effet gratuitement le EFX Refract, fait que ça peut être assez intéressant. Il y a Noctua de Venus Theory, qui est gratuit, un instrument très cinématique, qui peut être ultra cool. Avec okay. ça, juste guider vos amis vers ça, ça peut être sympa. Sinon, au niveau de, des rabais-rabais en tant que tel, ben UVI offre des rabais sur certains produits, comme la Toy Suite, qui est assez cool. Vous avez vraiment une série d'instruments euh, qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont toutes comme à partir de, de, de jouer. Puis si on écoute rapidement la vidéo, là, vous allez voir que. Hi music box. vous avez vraiment plusieurs choix là, qui, sont, qui sont assez sympas. Fait que ça peut être assez cool comme, comme genre d'instrument virtuel à offrir. Vous avez aussi toute une panoplie d'instruments euh, plus euh, électriques, électro. Là. Vous avez des effets, etc. C'est assez sympathique avec un, un, un bon rabais. Sinon, vous avez ben, deux rabais, notamment un moins 30 euros avec le code holiday30 quand vous dépensez 99 euros ou plus et euh, moins 50 quand vous déplacez euh, 169 euros. Ce qui veut dire que vous pouvez aller essayer d'installer ou de, de chercher, par exemple, ben, les effets. Ou des choses comme ça. Fait que vous avez notamment, si vous allez voir dans les effets ici, Drum Replacer, j'ai déjà parlé, genre je l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Excellent plugin. Vous allez avoir leur. Euh, vous allez avoir leur. Euh, comment on appelle ça Vous allez avoir leur, leur plate reverb qui est très très cool. Leur compresseur opal qui est très bon. Leur délai qui est super. Bref, vous avez plein d'options comme ça qui sont sympas. Puis si vous allez voir dans Soundware ou dans Instruments, bah vous avez aussi différentes options d'instruments, puis de, de choses comme ça chez UVI qui peuvent être assez cool. Et sachez qu'il y a aussi chez UVI le Sonic Pass, le Sonic Pass qui est un abonnement, fait, qui peut être aussi une option, offrir un mois d'abonnement ou vous offrir un mois d'abonnement à l'entièreté de leurs produits, ce qui peut être très cool. Dans cette cinquième catégorie des bonus, des produits, etc., on va aller vers euh, Total Studio avec euh, IK Multimedia. Le Total Studio coûte un peu cher, mais sinon, vous allez avoir Tirax Max 5, par exemple. Vous offrez ça à quelqu'un, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir mixer, en passant par des reverbs, des channel strips, des émulations de, de tape cassette, de tape, euh, des compresseurs, des échos vintage. Euh, pff, des, 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 des compresseurs vintage style API, euh, 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 vous avez le eqp 1 et vous allez avoir du Nive, vous allez avoir du SSL, vous allez avoir tout, 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 et ça sonne vraiment du feu de Dieu, fait que c'est très, très cool. Voilà, et ils ont aussi du côté des instruments virtuels quelques rabais, euh, notamment si vous regardez, euh, si on va dans instruments logiciels, vous allez avoir notamment en rabais. Modo base qui sonne super bien, Modo Drum qui est très cool, vous avez même un bundle avec les deux euh, qui peut être assez intéressant. Fait Multimédia Multimedia offre quelques petits trucs aussi. Sinon, sur Plugin Boutique, vous pouvez aller voir, il y a des rabais qui sont vraiment fous, comme par exemple 44 et 50 pour 11 plugins de chez UAD en natif, notamment les L2E, le EQP, la Passive Collection au complet... Le Santiri Tube Chanel, Oxide Tape Recorder, un Galaxy Tape Echo, un Pure Plate Reverb, un synthétiseur. C'est assez sympathique. Toujours chez euh, Native, vous allez avoir peut-être le Complete 14 Select qui peut être sympa, toujours sur Plugin Boutique. Il y a des choses assez cool là. Euh, si vous regardez les deals sur Plugin Boutique, il y a quand même pas mal de choses. Scaler 2 en rabais qui peut être très 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 cool franchement très très bon euh, achat euh, tout ce qui est Sony avec leur rabais en ce moment qui peut être très sympa niveau logiciel UAD on en a déjà parlé euh... fait que voilà vous avez différents euh, produits comme ça Sound Toys allez voir les rabais de chez Sound Toys il y a énormément de choses qui sont absolument fantastiques ici si on va voir là hop du côté, vous avez euh, Crystallizer, Little Freak, Decapitator, qui est un super, super, super euh, saturateur. Little Plate pour un super reverb. Euh, Microshift. Bref, tellement de choses qui sont cool. Fait que là, ça, best, euh, best game. Vous avez aussi du côté de chez Plugin Alliance, certaines choses qui peuvent être très sympathiques, notamment sur des Channel Strips. Si jamais vous voulez offrir un Channel Strip, euh, qui soit assez efficace. El famoso SSL 4000E best euh, gift, I, euh, je pense. C'est un de ceux que j'utilise le plus. Et chez IsoTop, ben il y a quelques petits euh, trucs qui sont en rabais. Vocal Synth qui peut être intéressant. Euh, vous allez avoir Neoverb qui peut être cool. Euh, différents bundles comme ça qui peuvent être assez sympas à offrir. Neutron. 4 qui peut être très très cool. Neutron ou nectar les deux. Euh, nectar aussi c'est très bon. Fait que ne nectar 4 ça peut être sympa. Après nectar c'est un peu cher par contre. Peut-être que le element seulement là en tout cas. Euh, donc voilà un petit peu pour les cinq catégories de cadeaux. Moi de mon côté il euh, y aura rien de particulier pour Noël. Mise à part, peut-être que euh, je vais certainement vous offrir à vous qui suivez cette chaîne du multipiste gratuit. Euh, Est-ce que ça va arriver avant le jour de l'an Ça m'étonnerait que je puisse mais euh, courant janvier c'est sûr et certain qu'on va mettre ça en place puis qu'on va euh, vous offrir ceci. Bref, c'était un plaisir de vous présenter tout ça. Joyeuses euh, fêtes à tout le monde et euh, à très très bientôt pour euh, euh, bah, un prochain live, pour une... Une... en fait à l'année prochaine, parce que ça va être l'année prochaine pour de vrai, les lives vont s'arrêter pendant un temps, ça va reprendre en janvier certainement, donc on se dit à janvier et une excellente nouvelle année à tout le monde, tous ceux qui sont sur le live vont continuer, tous ceux qui sont en ligne, eh bien, on se retrouve très bientôt, c'était CFA de CFA Productions, salutations à toutes et à tous, je sur fuseau horaire et ciao